En cette année européenne des citoyens, je suis heureuse, en tant que députée européenne élue en Île-de-France, de souhaiter plein succès à l'association Colors of Europe et à son très dynamique président, Marc-Antoine Cesetti, pour l'organisation de ce deuxième Festival de l'Europe. Festival de l'Europe, deuxième édition, qui se tient à Bois-le-Roi. J'en profite pour saluer Madame le maire de Bois-le-Roi, Madame Nicole Delporte, qui a bien voulu accepter d'accueillir cette manifestation dans sa commune. Deuxième édition, la première édition du Festival de l'Europe l'année dernière, à laquelle je m'étais rendue, s'était tenue à Fontainebleau, et je garde un excellent souvenir de cet événement. Il est en effet primordial à travers l'organisation d'un tel événement, tout à fait bienvenu encore une fois, et sur un mode ludique, pédagogique, culturel et festif, de faire prendre conscience à nos concitoyens, de vous faire prendre conscience très concrètement de l'importance de l'Europe dans votre vie quotidienne, de l'importance de l'Europe dans la préparation de votre avenir, dans la préparation de l'avenir de vos enfants. La citoyenneté européenne, c'est l'ensemble des droits et devoirs qui nous lient. C'est l'expression la plus concrète, la plus tangible de cette communauté de destin qui nous lie, à laquelle nous appartenons, nous, les 500 millions d'habitants de l'Union européenne. Encore une fois, très bonne journée, plein succès au Festival de l'Europe. Merci et bravo aux organisateurs pour cette belle journée.